Coucou, j'arrive dans 10 minutes. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'importance du sommeil chez ton chien. Alors, si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. Je termine de me préparer, j'arrive dans 5 minutes. À ton tour, prépare-toi quelque chose que t'aimes boire et manger, papier et crayon pour prendre des notes. On se retrouve dans 5 minutes. Bye!
Salut tout le monde! Bienvenue à mon live d'aujourd'hui. Merci d'être là aujourd'hui. J'ai dû reporter à cette semaine le sujet de mon live sur le sommeil. Donc, je suis très heureuse de voir que tu es avec moi aujourd'hui. C'est vraiment grandement apprécié. Donc, allô Jocelyne, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon et que tu m'entends super bien de ton côté. J'ai comme l'impression d'avoir perdu le fil un peu du contenu de mes lives juste parce que j'étais pas là la semaine passée. C'est vraiment drôle. Yes, ça rentre, cœur, des likes, excellent, 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 merci. Fait que, comme tu as pu voir aujourd'hui, on va parler du sommeil, oui, mais on va parler aussi d'une portion scientifique. Pourquoi c'est important de respecter ça, ce sommeil-là chez nos chiens? J'arrête pas de le dire à tous mes clients. Je pense que c'est comme rendu une habitude de le dire de façon systémique, comment ton chien dort par jour, c'est quoi sa routine, etc. Fait que aujourd'hui, je trouvais ça important de te partager le côté plus scientifique. T'sais, on va rentrer dans les détails du sommeil, mais on va rentrer aussi dans une petite partie de sommeil que ça représente au niveau scientifique. Donc, excellent. Maintenant, j'ai une question pour toi avant de débuter. Est-ce que tu trouves que ton chien... tu le sais, hein, Oreo, il arrête pas de faire des dodos pendant que je suis en live. Mais bref, est-ce que ton chien à toi, ou ton chiot même, est-ce que tu le trouves survolté en fin de journée ou en début de soirée? Écris-moi ça en commentaire si tu trouves que ton chien, ton chiot est survolté en fin de journée. Je suis curieuse de savoir si c'est le cas parce que... à la fin du live, si t'es encore là, je vais te dévoiler en primeur comment obtenir un excellent sommeil de la part de ton chien et on va regarder ensemble l'emplacement stratégique du lit de ton chien. Ça devrait être où? Fait que je te dis tout ça à la fin du live. Beau Oreo, oui, je sais qu'il est beau, petit Oreo. Oui, c'est donc souvent... Oui, s'il a dormi toute la journée, effectivement, c'est une bonne raison pour être survolté en fin de journée. Moi, c'est l'enfer en soirée, ma Golden à 10 mois. Ça dépend des soirs. Good, excellent, parfait. La mienne avec mon matou, c'est l'enfer. Oh boy, OK. Maintenant, toutes les réponses sont acceptées. Dans la question suivante que je vais te poser, c'est simplement pour t'ouvrir l'esprit face aux besoins de sommeil de ton chien. Donc, j'aimerais que tu m'écrives en commentaire, selon toi, combien d'heures de sommeil a besoin d'un chien quotidiennement, donc par jour. Okay? Alors, écris-moi ça en commentaire. Combien d'heures ton chien a besoin de dormir dans sa journée, selon toi? Toutes les réponses sont acceptées. C'est juste pour t'ouvrir l'esprit vers où on s'en va présentement face à ce live, cette émission d'aujourd'hui. Donc, tellement survolté, Karine, Colin, on doit nous-mêmes la coucher de 15 à 18 heures, 20 heures, parfait. Continue de m'écrire ça en commentaire, 10 heures, excellent. Good, fait que je te reviens aussi avec cette réponse-là durant mon émission d'aujourd'hui. Good! Alors, je me présente pour les personnes qui sont nouvelles aujourd'hui et qui m'écoutent en direct lors de cette émission. Annick, je suis intervenante en comportement canin de Eureka. Ma mission chez Eureka, eh bien, c'est d'entraîner l'humain à éduquer son chien. Donc, c'est l'humain que j'entraîne, bien que je t'aide à mieux comprendre ton chien et tout ça. C'est vraiment l'humain que j'entraîne à éduquer son chien. C'est ce que tu vois aussi à travers toutes mes publications qu'on fait sur nos réseaux sociaux, les reviews que j'obtiens, que mes clients disent « Wow, les téléconsultations, c'est donc bien génial! » Donc, c'est ça ma mission chez Eureka, c'est de t'entraîner toi à éduquer ton chien par le biais des programmes qu'on a conçus, bien évidemment. Hein, on a conçu plusieurs programmes pour t'aider à bien cheminer dans l'éducation de ton chien. On t'accompagne pendant 10, 12, des fois même 15 semaines. Les gens trouvent ça extraordinaire. Donc,
nos programmes sont là pour t'aider. Si tu as des questionnements par rapport au comportement de ton chien, si tu as des besoins qu'on ne va pas discuter aujourd'hui pour le comportement de ton chien, eh bien, tu vas savoir comment me rejoindre tantôt, je te dis ça, en direct. Alors, donc, j'ai ici, mon border collie de 2 ans et demi a besoin de dormir minimum 14-15 heures. Good, excellent. Tu continues à m'écrire en commentaire combien d'heures de sommeil que tu penses que ton chien a besoin. Donc, si tu as des questions par rapport à le sujet direct aujourd'hui, tu peux me les poser en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre. J'adore ça, avoir une belle interaction avec toi, ça me permet de t'offrir encore plus de contenu, hein, bien que moi j'ai des choses déjà de te préparer que je discute avec toi. Quand tu me poses des questions, ben, ça me permet d'ajouter du contenu, puis les gens aiment ça, cette interaction-là, fait que ne te gêne pas et pose-moi tes questions. Maintenant, Annie qui dit « Sa petite de 1 an a besoin de 15 heures également, mais ce n'est pas une priorité le sommeil pour elle, le jeu est sa priorité. » Ah, ces petits border collies là, sont tellement, tellement coquins, tu sais, puis des fois, on a tout le temps l'aspect chien de travail, dormir, ça fait pas besoin de leur priorité, tu sais, c'est comme un besoin secondaire, c'est comme manger, tu sais, ils ont pas de temps de manger, les chiens de travail, ils font ça un moment donné, là, quand ça leur tente, en soirée, même avant de se coucher, peut-être. J'aime ça, des fois, les étiqueter trop, ces petits border collies là, chien de travail. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, ça a vraiment été génial, tu m'as répondu à plein de questions déjà, mais je tiens à te dire que comme c'est la saison estivale qui arrive, c'est l'été, on aime ça être en t-shirt, il fait beau, le printemps est loin derrière nous, maintenant, place à la chaleur, eh bien, sache que tu peux te procurer un gilet comme je porte présentement, ben, pas tout à fait écrit comme ça, parce que ça, c'est réservé à mon équipe, mais on en a confectionné des super. Je t'invite à écouter ceci à l'instant, pour savoir comment faire. Salut la gang! Savais-tu qu'on a designé des chandails qui sont présentement disponibles sur notre boutique à eureka.ca/boutique? On a ces modèles-ci que tu vois présentement qu'on a sur nous et également on a d'autres modèles de disponibles qu'on a concoctés spécialement pour vous autres. Super confortable, léger, la taille est parfaite et le délai de livraison est quand même assez rapide. Alors, direction sur notre boutique, puis allez voir ça, il y en a pour toutes les grandeurs. Et commandez le vôtre. Ben oui. Fait que, on va te mettre le lien en commentaire bientôt de notre boutique pour que tu puisses aller t'acheter ce super gilet confortable-là pour montrer au monde comment tu as à cœur l'éducation de ton chien et comment tu entraînes ton chien aussi. Hein? C'est assez significatif ce qui est écrit sur le gilet. Donc, excellent. Maintenant, si c'est pas fait encore, eh bien, je t'invite fortement à te prendre papier et crayon parce que là, on va rentrer pas mal dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Je vais discuter avec toi de tous les sujets qui englobent le sommeil. On va également voir ensemble les périodes les plus propices à avoir un chien quand des fois on pense qu'il est survolté puis on se demande pourquoi. Fait qu'on va tout regarder ça ensemble vraiment en détail puis au fur et à mesure, si tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. OK? Là, on a comme un duo de d'écran. Oreo, ben, il fait toujours dodo pendant mes lives. J'ai le regret de te dire que quand j'ai besoin de lui dans mes lives, c'est bien rare. Il faut que je prenne des vidéos préenregistrées de lui en train de travailler pour montrer que des fois, il travaille, mon chien. Mais en direct, à chaque mercredi, c'est sa période de repos. Je pense qu'il aime ça m'entendre parler. Fait comme, oh yes, j'ai pas besoin de travailler, je peux enfin dormir. Bon, voilà. Oui, merci Jocelyne de dire que c'est vrai qu'il est super confortable, notre gilet. Good, excellent. Alors, allons-y, sans plus tarder, on va passer en mode plein écran pour que je te montre ça et qu'on discute ensemble de ce sujet-là. Alors, attention à ne pas surstimuler ton chiot ou ton chien. Qu'est-ce que je veux dire par surstimuler? Je veux dire que même si tu penses dans ta tête que ton chien, c'est un chien de travail, un peu comme j'ai dit tantôt, le sommeil est secondaire, pas besoin de ça le sommeil dans sa vie, le sommeil est hyper important quand même.
tantôt, j'ai Karine qui disait, moi, j'ai pas le choix, je dois lui imposer le sommeil. Donc, oui, effectivement, pour éviter de surstimuler notre chien, on essaie de le calmer avant tout, OK? Pour ensuite être capable de gérer ces moments-là, puis qu'il soit peut-être capable de s'endormir tout seul, mais si c'est pas le cas, ben, Colin, il faut effectivement imposer le sommeil à notre chien. Souviens-toi, tantôt, je t'ai dit, si tu restes jusqu'à la fin, je te donne l'endroit idéal pour installer le lit confortable de ton chien. Excellent, super. T'as des questions, tu y vas, tu m'écris ça en commentaire. Ah ben, on a un petit coco qui a décidé d'ouvrir les yeux. Fraction de seconde, c'est comme, ah, il se passait quelque chose, il dit, ok, bye. je retourne faire dodo. Donc, surstimulé, surexcité, c'est pas mal la même chose. Donc, ton chien est surstimulé, ton chien, t'as l'impression que là, il est surexcité, puis tu dis, ben là, il faut qu'il dépense encore son énergie. Il a de l'air à m'en demander encore, il est pas capable de se déposer, fait que moi, je vais retourner marcher avec, je vais retourner courir avec, je vais retourner jouer avec, etc. Donc, surexcitation, surstimulation étant très proche, faut faire attention et faut offrir des activités qui vont être plus enclins à mener ton chien vers des états plus calmes. OK? Je vais t'en montrer tantôt, je vais t'en donner des exemples à ce niveau-là. OK? Qu'est-ce qui arrive quand ton chien est survolté? Qu'est-ce qui arrive quand ton chien est surexcité? Ben, il va être moins tolérant. Alors là, si t'as un chiot, tu vas te ramasser avec un chiot qui va te mordiller, qui va te tirer le bas des pantalons, qui va te tirer sa laisse parce que ça ne tente plus de marcher, alors que toi, tu pensais que parce qu'il était surexcité, il fallait que tu ailles faire dépenser encore plus d'énergie. OK? Donc là, il va se mettre à être vraiment moins tolérant sur plein de choses. Tu ne pourras pas le toucher, tu ne pourras pas le flatter. Alors que là, tu aurais aimé le brosser, exemple. Fait que sa tolérance, là, elle vient de descendre. Vraiment dans le moins 15, quasiment. T'sais. Fait qu'en étant moins tolérant, ben là, on pense tout de suite à un chien problématique. Parce que là, il est comme moins tolérant, notre chien, puis on arrive difficilement à comprendre pourquoi. T'étais surexcité, je t'ai amené marcher, tu montes à l'aise, je te passe, ça marche pas, etc. Alors, ton chien est moins tolérant à ce moment-là, OK? Qu'est-ce que ça fait quand ton chien est moins tolérant aussi? Ben, le stress de tout le monde augmente. Le tien, le sien, celui des membres de ta famille. Parce que là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Ben voyons, là, pourquoi t'es stressé de même? Ça n'a juste pas de bon sens. On essaye de trouver pourquoi, puis de chercher, puis etc. Fait que le stress de tout le monde augmente, alors que ton petit chiot ou ton chien a simplement besoin de se déposer, de relaxer et de faire dodo. Tout simplement. OK? Quand il est stressé aussi comme ça, de façon vraiment intense, c'est plus difficile de le ramener dans un état comme plus relax. Souvent, on a besoin effectivement de l'isoler parce qu'il n'y a plus rien à faire. Là. Nous autres, on est sur le point de perdre patience. Le chien perd patience. Ça ne fonctionne plus. Tantôt, je voyais quelqu'un qui disait « Mon golden de 10 mois court après mon chat. » Il n'est peut-être pas 10 mois. Non. En soirée, c'est l'enfer. Puis après ça, j'ai la mienne avec mon matou. C'est l'enfer. Fait, est-ce que le chien est stressé? Est-ce que le chien est surexcité? Est-ce qu'il n'est pas capable de dormir, de se déposer? OK? Si c'est le cas, ben, il faut travailler dans ce sens-là. Je vais t'en amener tantôt des solutions. OK? À ce niveau-là. Qu'est-ce qui se produit aussi quand ton chien est fatigué? Bon, on va se le dire, là, OK? Il est vraiment fatigué au bout du rouleau, pas capable de se déposer, de relaxer. Ben, il va être facilement excitable. Un rien va faire comme un feu de bengale. Ça, une affaire, là, tu sais, que t'allumes, là, puis que ça s'éteint jamais jusqu'à temps que la mèche soit descendue. Fait que, et ça va faire une excitation vraiment intense jusqu'à temps que ça s'éteigne tout seul. Jusqu'à temps qu'on l'isole pour qu'elle fasse dodo. Même chose, OK? Donc, c'est extrêmement important de faire attention à ça aussi. Stress, excitation intense, c'est souvent ça aussi très proche. Maintenant, là, je parle, j'ai pas de questions. T'es un public à la fois très à l'écoute. Merci vraiment beaucoup. J'aime ça avoir de l'interaction. J'adore avoir de l'interaction. Alors, présentement, OK?
Je vais te demander si tu te sens serviable, si tu te sens aimable, et si oui, et si le contenu te rejoint jusqu'à présent, eh bien, je t'invite d'un seul clic à partager directement mon émission en direct avec tes amis, ta famille, tes collègues de travail, tes proches, bref, dans tes réseaux sociaux, pour qu'ils puissent se joindre à nous autres en direct ou bénéficier de mon contenu ultérieurement, un petit peu plus tard en soirée. Alors, petite pause parce que sinon je vais parler sans arrêt, ça n'arrêtera plus mon affaire. Je veux des questions, si tu as des questions, c'est encore mieux. Puis, ben, d'un seul clic, tu partages, il est en bas de ton écran. Et tu vas pouvoir en faire bénéficier d'autres personnes qui peuvent peut-être être intéressées par le contenu. Puis ils vont joindre à nous autres en même temps pour avoir accès à tous mes trucs hyper, hyper intéressants. OK? Et là, je te laisse du temps pour le faire pendant que je vais prendre de l'eau. Mais si tu as des questions en lien avec le sommeil, vas-y, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire. Maintenant, avant d'aller dans le plus... comment j'expliquerais bien ça? Avant d'aller dans le plus concret, okay, comportemental, du manque de sommeil et tout ça, tantôt, je t'ai demandé combien d'heures le chien doit dormir par jour. J'ai eu des belles réponses, j'ai eu des bonnes réponses aussi. Alors, en moyenne, chez le chien adulte, on parle de 15 heures de sommeil la nuit et le jour. Donc tout ça, rapatrié ensemble, on parle d'environ une quinzaine d'heures de sommeil par jour pour que ton chien soit en forme, en santé, apte à apprendre des nouvelles choses. Okay? Maintenant, chez ton chiot, on parle en moyenne de 18 à 20 heures de sommeil par jour, incluant sa nuit. Et également, chez ton chien senior, donc tout dépendant de la race de ton chien, il arrive à un certain âge où ce qui est considéré comme plus âgé. Alors, quand c'est le cas, quand il est rendu plus âgé, lui aussi, il a besoin de plus de sommeil par jour. Peut-être que ça pourrait tourner autour de 18 heures. Effectivement, tu vas remarquer que ton chien peut dormir plus rendu à un certain âge, peut-être aux alentours de 7-10 ans. Peut-être que ça va tourner un petit peu plus que ça. Peut-être qu'il va prendre vraiment beaucoup plus de temps de repos, si c'est le cas. Alors, si effectivement, ton chien senior, tu vois que ça se rapproche de 18 à 20 heures, eh bien, c'est tout à fait normal. OK? Donc, maintenant, on y va avec mon côté scientifique. Ce que je veux te dire, c'est qu'un sommeil de bonne qualité est essentiel à la santé du cerveau de ton chien. Là, je prends mon... je suis comme vraiment scientifique. Là. Je répète, un sommeil de bonne qualité est essentiel à la santé du cerveau de ton chien. Un sommeil insuffisant, OK, inhibe la neurogénèse adulte, donc la création de nouveaux neurones. Et un sommeil perturbé altère la communication entre les ondes du cerveau entre les ondes du cerveau qui sont nécessaires à la régulation émotionnelle. C'est-tu assez puissant? Faut que ton chien dorme suffisamment, particulièrement ton chiot. Okay? Alors, veillez à ce que les animaux aient accès à des endroits confortables et tranquilles pour favoriser la santé cérébrale et le comportement. J'y arrive dans la portion comportement. C'est exactement pour ça que je souhaitais te nommer ce bout scientifique-là. Puis, tu sais, parce que c'est bien beau de dire mon chien a besoin de dormir 18 à 20 heures ou 15 heures par jour, mais oui, mais pourquoi? Je trouvais ça extrêmement important de te le dire à quoi ça sert ce sommeil-là, parce que oui, c'est hyper important. Un peu comme toi quand t'es malade, tu sais. T'as besoin de dormir pour te remettre en santé, puis tu sais, que ton système immunitaire se remette sur pied.
Puis, ben, quand t'es jeune, ben, c'est là que ta croissance se fait aussi, tu sais. Tes os grandissent, etc. Fait que le sommeil est hyper important, autant pour ton chiot que ton chien adulte et même senior. OK? Fait que voilà, mon petit bout scientifique que je tenais à te dire. Good, j'ai une question. Le dodo peut-il se faire en dehors de la cage ou toujours dans la cage? En fait, l'objectif du dodo, c'est que ce soit un bon sommeil. Si t'as un chien ou un chiot qui dort 15 minutes, puis que dès qu'il y a un bruit, il y a un œil qui se rouvre, ouais, c'est, comme tu sais, on voit Oreo là, qui dort sur le coin du mur. Il s'est levé, là, tantôt, un petit œil, là, mais il va dormir comme ça, sinon le reste du temps, tout le long du live, et même après, tu sais, il va commencer à se réveiller, peut-être quand je vais m'activer un petit peu plus, puis que je vais mettre en mouvement dans la maison, mais sinon, il y a un sommeil hyper réparateur comme ça. Donc, si ton chien est capable de dormir dans cet état-là, pendant que tu fais du bruit, il n'y a pas besoin de cage. Par contre, si ton chien n'est pas rendu à ce stade-là encore, oui, tu as besoin d'une cage pour t'assurer que le sommeil est adéquat. Ben oui, 18 à 20 heures. Mm-hmm, effectivement. Un peu la même question que Luc. Nos chiens adultes dorment bien n'importe où, font leur propre choix. Est-ce que tous les chiens adultes sont comme ça ou certains ont encore besoin qu'on les dirige vers un endroit calme? J'ai rarement vu un chien adulte qu'on est obligé d'imposer une période de sommeil, donc d'isoler dans une cage. Si c'est le cas, peut-être qu'on doit travailler certains autocontrôles, peut-être qu'on doit travailler les états calmes aussi, parce que le chien peut être surexcité en présence d'humains dans son environnement ou pas capable de se déposer en présence d'un autre animal, un autre chien, un chat, etc. OK? Mais généralement, les chiens adultes sont capables par eux autres mêmes d'aller trouver un endroit calme, puis de se déposer, puis de se reposer, puis de dormir adéquatement. OK? Je reviens à ta question, Daniel. Alors, j'ai une caméra à la maison et quand je suis pas là, elle dort tout le temps. Elle a 9 mois et fait des nuits de 8 heures par la suite. Daniel, je sais pas combien de temps que tu quittes la maison. Est-ce que c'est durant le travail? Donc, est-ce que tu fais 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, plus 8 heures de sommeil? Faudrait voir. À quel âge tu me dis 8 mois, je pense? 9 mois. Ben, tu sais, 9 mois, ça peut tourner aux alentours de 18 heures, là, tu sais, 16, 18 heures, parce que là, on arrive vers l'âge adulte. Fait que, tu sais, moi, je te donne vraiment des moments spécifiques, fait que ça dort 8 heures la nuit, puis que tu rajoutes un autre 8 heures le jour, ben ça fait 16 heures, fait que c'est tout à fait normal, son sommeil est parfaitement adéquat pour son âge, OK? Si c'est des moments plus courts, ben là, je me questionnerai à savoir si elle pourrait faire un sommeil en soirée aussi, OK? Fait que ça serait important de voir à ce niveau-là. Quel est le sommeil que ton chien est capable de faire durant le jour quand t'es pas là, OK? Mais c'est des excellentes questions. C'est ça que je veux comme interaction, gang. Vous êtes extraordinaire. Good. Maintenant, je t'ai dit qu'on irait plus dans le côté comportemental. Maintenant que je t'ai parlé de ma portion scientifique. Alors, oui, ton chien peut être plus réactif s'il est pas capable de dormir. OK? Est-ce que dans ta journée, t'as un chien qui aboie aux fenêtres, t'essayes d'aller marcher avec, super réactif, il est dans le cours, pas capable de se déposer, pas capable de rentrer en dedans, hyper vigilance, aboie après les oiseaux, après aboie après les voisins, eh bien, ma première recommandation numéro 1, regarde son sommeil. Quotidiennement, ça ressemble à quoi? Parce que oui, si ton chien dort pas assez, effectivement, ça peut avoir des répercussions sur sa réactivité. OK? Excellent. Donc, ça ici. Maintenant, incapable de se reposer physiquement ou mentalement, c'est un chien qui manque de sommeil. OK? Oui, l'environnement peut faire en sorte que le chien soit pas capable de se reposer physiquement ou mentalement par lui-même. On voit ça particulièrement chez le chiot parce qu'il y a trop de stimulation, il y a des humains, il y a un autre animal, il y a d'autres animaux dans la maison. Donc oui, ça se peut qu'à ce moment-là, le chiot soit pas capable de se reposer. Okay? Mais là,
on n'est pas face à un chien qui est en manque de sommeil. On est juste un chien qui est stimulé par plein de choses. OK? Fait que c'est hyper important de travailler les états de calme. Je vais t'en reparler, ça s'en vient, ça, tantôt, je le vois à venir. Donc, dans ces états calmes-là, ce que tu souhaites vraiment, c'est que ton chien soit capable de se déposer. Je te partage une tranche de vie. Je te partage ce que j'ai vécu avec Oreo quand il était bébé. Il y avait un moment où ce que il était vraiment comme survolté. Je veux dormir, je suis pas capable de dormir. J'aimerais bien dormir avec toi dans le salon, mais maudit que ta TV a fait trop de bruit puis qu'elle me stresse. Okay? Alors là, à un moment donné, Oreo il a décidé de prendre le chemin de la chambre, okay, pour aller dans sa cage. Puis il s'est rendu compte qu'il était capable de rentrer en dessous. J'aurais dû mettre la photo. Colin. Capable de rentrer en dessous du lit. Donc, notre plateforme de lit avait comme une certaine hauteur. Alors, il était capable de rentrer en dessous de cette plateforme-là du lit. Puis d'aller dormir adéquatement par lui-même. Ça, c'est arrivé il y avait à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Alors, il alternait le jour. Des fois, je m'en vais tout seul dans ma cage. Des fois, je l'amène dans ta cage pour que vraiment t'ailles faire dodo parce que là, t'es survolté, il faut que tu dormes. Puis, d'autres fois, c'est « Hey, là, j'essaie de dormir avec vous autres dans le salon, mais ça marche pas. Trop de bruit. Je m'en vais. Je me couche moi-même en dessous de votre plateforme de lit. » Fait qu'observe déjà, sans être en mode surveiller tout. C'est pas ça que je veux. Là. Je veux pas que... Je veux que ton chien ait un petit peu d'autonomie quand même. Fait que fais juste surveiller ces endroits, tu sais, qu'il aime. Et où, normalement, généralement, qu'il va, tu sais, puis que là, écoute, là, t'es allé à la plage avec, là, puis il dort les quatre pattes dans les airs. Où il va? Dans la maison, pour dormir comme ça, OK? Fait que ça va pouvoir t'aider à bien gérer ces moments. Peut-être qu'il peut être comme survolté, surexcité. Prends cet emplacement-là, travaille des endroits avec lui. Pour favoriser ses états calmes. Okay? Si ton chien aboie à la fenêtre dans le salon, mais il ne travaille pas les états calmes dans le salon, à moins de fermer tous les rideaux. Tous les rideaux, là, pour vraiment bloquer tout ça, puis être sûr que ton chien va être vraiment calme. Sinon, tu t'organises pour trouver un endroit que c'est plus facile de travailler ses états calmes à ce moment-là. Okay? OK. Donc, maintenant, est capable de traiter de nouvelles informations ou situations. Si ton chien n'a pas dormi suffisamment, je pense que je peux aller faire une petite analyse ici. Attendez-moi 2 secondes. C'est pas lui, mais c'est pas. Donc, si ton chien n'est pas capable de dormir suffisamment, il va être incapable de traiter de nouvelles informations ou situations. Je l'ai dit tantôt dans ma portion scientifique, c'est là que la communication se passe quand il fait dodo. Fait que si tu as appris quelque chose de nouveau à ton chiot, puis qui dort pas suffisamment après que tu lui as appris avant, tu vas être obligé de recommencer après. C'est simple de même. Okay? Ça peut avoir de l'air bien compliqué, là, mais c'est vraiment simple comme ça. Si ton chiot n'est pas capable de dormir suffisamment pour bien assimiler tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a été capable de bien d'intégrer, eh bien, définitivement, et il ne sera pas capable de traiter ces informations-là dans son cerveau. Même chose chez le chien adulte. Pareil. Okay? Donc, tu t'assures vraiment que ton chiot et ton chien est capable de dormir suffisamment pour traiter toutes les nouvelles informations qu'il a prises en considération. Ah, j'ai un autre commentaire. Excellent! Alors, moi, elle dort super bien quand je suis au travail. Je la vois sur la caméra. Hey, on les aime-tu, ces caméras-là? Je m'en passerai plus, hein, honnêtement. Et la nuit, elle dort dans son lit et alterne avec le divan. Mais quand je suis présente, c'est rare que je la vois dans un sommeil profond. Elle est très alerte au bruit, alors je lui mets de la musique calme 24 heures sur 24. C'est bien, Catherine, de lui mettre de la musique. J'aime ça. J'aime ça, l'aspect de lui laisser toujours un bruit de fond. C'est d'ailleurs ce que je dis la plupart du temps aussi à ma clientèle. Mais c'est pas rare de voir un chien qui a de la difficulté à dormir en présence des humains parce que ils sont comme toujours en mode alerte. Il va-tu se passer quelque chose? On va-tu aller à quelque part? On va-tu prendre ma laisse? On va-tu... Fait que le chien peut avoir tendance à avoir un petit peu plus de difficulté à se déposer à ce moment-là. C'est pas rare, OK?
Mais ça va venir à la longue. T'sais, le chien va finir par s'habituer à ta routine, comprendre quand t'es là, quand t'es pas là, etc. Donc, ça va favoriser tout ça. Good. Excellent. Donc, le manque de sommeil, je te l'ai dit tantôt, ça peut avoir un lien avec les problèmes de santé. Je pense que j'ai eu un autre commentaire. Je vais me mettre en zoom juste ici pour que j'avais un technicien tantôt qui faisait mon zoom. T'entends pas? Oui, ici. Donc, oui, les problèmes de santé, effectivement, ton chien peut avoir des problèmes de santé s'il ne dort pas suffisamment. Je ne peux pas toutes les énumérer. Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas technicienne en santé animale, ce n'est pas ma spécialité. Mais si tu t'inquiètes pour certains aspects de la santé de ton chien parce qu'il ne dort pas suffisamment, ma recommandation numéro un, c'est d'aller voir les professionnels en santé animale pour qu'ils répondent bien à tes questions. Mais sache que il y a quand même des problèmes de santé qui peuvent effectivement être reliés au stress. Manque de sommeil, stress, je te l'ai dit tantôt. Donc, problème de santé. OK? C'est hyper important d'avoir un bel équilibre avec ton chien, d'avoir une belle routine avec ton chien, d'avoir du plaisir avec ton chien aussi. Fait que plus tout va se passer dans un environnement joyeux et agréable, ben moins ton chien va vivre de stress, définitivement. OK? Donc, assure-toi que son sommeil est adéquat pour éviter le stress et les problèmes de santé. OK? Maintenant. Ah, j'ai dit que je revenais à la toute fin. Je skip cela. Je leur reviens à la toute fin. Good. C'est quoi des activités pour calmer son chien? Ça ressemble à quoi des activités pour calmer son chien? Annick, t'en parles depuis tantôt, mais tu sais, tu nous le dis pas. Ça ressemble à quoi des activités? Eh bien, des activités pour calmer ton chien, ce sont des activités que ton chien peut faire de façon autonome. Et quand je veux dire autonome, eh bien, il peut s'occuper avec un cogne qui est rempli d'une belle recette. Il peut lécher de la conserve, du yogourt, du beurre d'arachide que tu as mis sur un tapis de léchage. Pour se détendre, il peut mastiquer un os, il peut gruger un os qu'il aime vraiment beaucoup pour favoriser la détente. Si tu as un chien qui est survolté, surexcité, pas capable de se déposer, il a besoin de se calmer. Tu t'installes avec lui s'il le faut et tu lui tiens l'objet dans tes mains. Il n'est pas obligé d'y tenir pendant une demi-heure, mais juste pour l'inciter à commencer à s'intéresser à l'objet qu'on veut qu'il mastique, qu'il mange, etc. Tu peux le tenir un peu au début. Puis après, tu le lâches puis tu lui laisses pour qu'il puisse se détendre tout seul et s'en occuper. OK? Excellent. Fait que ça, c'est bon. Maintenant, là, je te parle de Kong, je te parle de tapis de léchage. Comment tu fais pour, si t'as pas ça, OK? Si t'as pas d'os adéquat, que t'as pas réussi à trouver ce que ton chien aime, eh bien, je t'invite fortement à aller voir notre site Internet. Dans l'onglet « Ressources », ça passe tout juste ici en bas. On va te le mettre en commentaire aussi. Donc, dans l'onglet « Ressources », tout ce que je recommande à ma clientèle comme activité masticatoire, gâterie, Kong, jeu interactif, tout se trouve là et tu peux même commander à partir de là. Donc, s'il te manque des outils pour travailler les états calmes de ton chien pour l'aider à relaxer, eh bien, sache que tout ça se trouve dans l'onglet ressources sur mon site internet. Maintenant, Annick, t'as parlé de plein d'affaires, tu nous as dit que notre chien fallait qu'il dorme, etc. Je t'ai dit que je revenais jusqu'à la fin. Quand on va discuter ensemble de l'endroit spécifique, je vais te le dire tantôt. Mais ce que je veux te dire, c'est que comment apprendre à calmer son chien? J'ai fait une excellente émission à ce sujet-là qui a déjà eu plein de beaux commentaires, autant sur Facebook que sur ma chaîne YouTube. Hey, ça marche! Je viens de l'essayer, ça a fonctionné. Mon chien est allé se coucher tout seul. Alors, si tu as de la difficulté avec un chien survolté, eh bien, sache que sur ma chaîne YouTube, on va te mettre le lien en commentaire aussi, mais sur ma chaîne YouTube, là, j'ai fait une émission sur comment calmer son chien. Okay? Donc, tu vas pouvoir l'écouter, cette émission-là.
directement sur ma chaîne YouTube. Puis tu peux même t'abonner si c'est pas déjà fait, parce que j'ai comme plus de 100 heures de contenu vidéo pour t'amuser pour les jours de pluie. Fait qu'elle défile en bas ici ma chaîne YouTube. C'est encore Eureka, hein? Pour que tu puisses écouter comment calmer ton chien. Hyper, hyper important. OK? Puis ça marche! Déjà! J'ai eu plein de commentaires que le monde trippe puis qu'ils ont essayé ça puis que ça a fonctionné. Fait que quand ça fonctionne, on aime ça, on sait qu'on est sur la bonne voie puis qu'on s'en va dans le bon sens. Donc, je t'invite fortement à consacrer une heure supplémentaire de ton temps très bientôt pour apprendre des trucs de plus pour ton chien. Parfait, super. Donc, maintenant, avant de te dévoiler mon super beau secret, ce que je veux te dire, c'est que présentement, t'assistes à mon avant-dernier live, à mon avant-dernière émission de l'été. La semaine prochaine, je prends congé. J'ai une amie à moi qui a quelque chose d'extraordinaire que je ne veux pas manquer. Et pour le prochain live, qui va avoir lieu le 6 juillet, ce sera le dernier live à ce moment-là, j'ai créé un sondage pour te laisser la chance de me dire ce que tu souhaites avoir comme sujet de dernier live. Fait que je vais aller activer ce sondage-là à l'instant. Ça devrait pas être long. Bon. Est-ce que tu le vois à ton écran? Est-ce que tu as comme quelque chose qui a popé là, dans ton écran qui dit oh, Annick me demande quel est le sujet du prochain live qu'elle veut? On a un petit Oreo qui est réveillé! Et voilà, il me regarde. Là, tu le vois pas, mais il me regarde en bulle. Alors, je t'invite fortement à répondre en... oh, good! J'ai déjà une réponse! Excellent! T'es censé avoir comme une image là, qui a popé. Là. C'est descendu, elle remonte là. Pour répondre à ce sondage-là, je vais le baisser parce que... Catherine, tu dois cocher la réponse que tu veux. Cocher gang, parce que oui, je sais pas à quoi tu me réponds oui. Est-ce que tu me réponds oui à question-réponse ou tu me... Ah, yes, ça rentre. Excellent. Good. Parce que là, ce que je veux, en fait, c'est que... oui, j'aime ça, t'offrir du contenu super intéressant, mais j'aime aussi ça, savoir qu'est-ce que toi, t'aimerais obtenir comme contenu. Fait que... je t'ai mis un sondage pour le savoir. Fait que là, vous êtes... une vingtaine de personnes. Fait que je m'attends à 20 personnes au moins qui vont répondre, hein, s'il vous plaît. Oui, ça a popé que je voulais dire. OK. Moi, j'avais compris. Oui, tu, je réponds à la question. Good. Allez-y, gang. Répondez-moi ça à ce super sondage-là. Je veux avoir des réponses pour voir qu'est-ce qui t'intéresse comme sujet du dernier live le 6 juillet. Donc, pas la semaine prochaine, l'autre. Après, ça va être des surprises. Ça va être du contenu surprise au courant de l'été avec mon inspiration du moment. Excellent. Continue à me répondre. Pour les nouvelles personnes qui sont là, je tiens à te dire que je te donne un cadeau gratuitement aussi. Donc, je vais attendre un petit peu que les réponses au sondage continuent de rentrer. Mais je vois que question-réponse sur le comportement canin est en majorité présentement. Je pense que hein, poser des questions à un intervenant en comportement canin, ça te parle vraiment beaucoup. Ah, comment ça t'as pas le vote, Caroline? C'est bien triste. C'est bon, je vais en prendre bonne note. Comment approcher un chien inconnu? Good. OK. Excellent, continue à voter, gang. Alors, si tu es avec moi pour la première fois aujourd'hui, eh bien, je te donne un cadeau gratuitement à l'instant. Dans ce cadeau-là, c'est un guide que je t'offre et que je te décris à l'instant pour que tu puisses te le procurer gratuitement. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, E-U-X-R-E-K-A.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur « Envoyer », rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement.
De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien. Et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton kong pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui, si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Voilà, donc pour bénéficier de ton cadeau gratuit, rendez-vous directement sur mon site internet au www.eureka.ca et tu vas voir une fenêtre, comme je t'expliquais, pour rentrer tes informations pour obtenir ton guide gratuit. Alors, si c'est la première fois que tu m'écoutes, ben, je t'invite fortement à en bénéficier de ce guide-là. Okay? Maintenant, regarde, on a des amis ici, là, derrière. Donc, moi, là, dans la vie, là, j'ai un chien qui dort, puis j'ai des chats qui bougent, puis qui grugent l'os du chien. Tu sais, ils sont drôles de même, mes chats, hein? J'ai des chats extraordinaires. Est-ce que je peux dire ça? Oh, une petite bagarre! On veut pas de protection de ressources ici, les minous. Non, on veut pas de protection. Là, c'est assez grand pour les deux. Donc, cute, hein? J'ai dit, bon. J'ai du monde qui rit. Je pense que c'est drôle, des petits chats qui protègent un os, tu sais. Combien de fois dans ta vie t'as vu ça, t'as la protection de ressources d'un os du chien de la part des chats, tu sais. Là, j'espère que ça verra pas en petite chicane. Non? Ça se passe, ça communique, ça jase, c'est bon. Alors là, je le sais, je vais arrêter de te faire attendre. Je vais te dire, ici, là, je l'avais ici. Donc, lui ici... Je vais te dire l'endroit le plus confortable que tu peux offrir à ton chien pour qu'il puisse dormir. C'est un endroit calme, sécuritaire et hors de tout va-et-vient. Okay? Oui, il va finir par y aller tout seul, comme je t'ai décrit. Petit Oreo, quand ça ne tentait pas d'aller dans sa cage, il allait directement en dessous du lit, de notre lit. Mais bref, si ce n'est pas le cas, tu dois absolument mettre le lit ou la cage de ton chien dans un endroit qui est peu... Oups! On m'a perdu. Je suis ici. Mais là, oh non! Mais là, non, 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 non. Non, non, non. Donc, mais... Je veux pas de chicane, les petits minous, là. Hein? Je veux pas de chicane. Donc, ce que je veux te dire, c'est que si t'as pas encore choisi l'emplacement... Essaie d'y aller vraiment très stratégiquement pour mettre la cage dans un endroit qui ne sera pas beaucoup passante. Tu sais, essaie de ne pas le mettre dans ta pièce centrale comme le salon. Essaie de ne pas le mettre non plus dans la cuisine. Donc, essaie de trouver vraiment un emplacement stratégique où ce qui va avoir le moins de va-et-vient possible. Si c'est ta chambre, c'est encore mieux. Si c'est un bureau qui n'est pas très, très... achalandé, si on peut dire. Donc, tu vas y aller peut-être une fois en soirée alors que le chien ne sera plus là. C'est encore une excellente idée. Mais essaie vraiment de trouver un emplacement où ce que le moins de va-et-vient possible parce que ton chiot, il veut tout découvrir. Donc, ce qu'il va faire, c'est que si tu mets la cage dans une pièce centrale, ben lui, il va vouloir se réveiller toujours pour aller voir mais qu'est-ce qui se passe, qui vient de se lever, qui vient d'arriver, etc. Donc, son sommeil va être constamment perturbé. Okay? Donc, à ce niveau-là, maintenant, un coup que ça s'est fait, tu peux éventuellement peut-être ajouter quelque chose sur la cage. Okay? Tu peux l'abrier, mettre une couverture, mais ce n'est pas obligatoire. Ton chien arrive bien à dormir parce que la cage est dans une pièce qui est vraiment... j'allais dire recluse dans ta maison, là, mais éloignée dans ta maison plutôt, ben je pense pas que tu aies besoin de mettre une couverture par-dessus. L'été, particulièrement, Oreo va préférer le plancher à son coussin, à son lit, à sa plateforme là, que tu vois ici. Il va vraiment préférer être directement sur le sol, c'est normal, il fait chaud. Tu peux quand même te procurer un tapis rafraîchissant si tu as un chien qui t'a l'air vraiment mal la chaleur. Fait que
T'sais, trouve des endroits... Il est drôle, ce chat. Trouve des endroits stratégiques, un peu. Tu sais, que ton chien aime ça, s'il aime ça être d'attaque avec toi, en ta compagnie dans le salon, puis qu'il est capable de bien dormir. Je veux pas qu'il se réveille, là, tu sais. Je veux qu'il soit capable d'avoir un sommeil approprié. Il peut, là, ouvrir un œil, faire « qu'est-ce que tu fais? » Mais après ça, faut qu'il se recouche, peu importe si t'es en mouvement. Calme, tranquillité, loin de tous les va-et-vient, où ce qu'il y a le moins de bruit possible. Pense à toi quand tu vas dormir la nuit, tout simplement. Okay? Pense à ton bébé quand tu vas le coucher dans sa chambre le jour. Faut que ce soit la même chose pour ton chiot ou ton chien, parce qu'il a besoin de calme et de tranquillité pour faire dodo. Voilà. Est-ce que... Merci Luc pour tes commentaires, et Luc qui vient de dire « Je viens de faire le changement, ma cage était dans le salon. » Excellent! Good! Fait que ton chiot, ton chien a besoin d'un endroit calme définitivement pour avoir un beau sommeil adéquat. Donc, excellent! Si j'ai pu t'apporter des idées supplémentaires, je suis vraiment heureuse. Alors, mon sondage, on en est rendu où à ce sondage? On en est rendu où? Alors là, on est à 60-40, donc 60 pour questions et réponses sur le comportement canin et 40% pour comment approcher un chien inconnu. Donc, ça se passe pas la semaine prochaine, ça se passe dans l'autre semaine. Il va y avoir un autre sondage qui va quand même être publié sur mes réseaux sociaux, mais je tenais à te donner le privilège de t'exprimer déjà. Et... selon la réponse qui va avoir emporté le plus de votes à ce sondage, bien, si c'est les questions-réponses, bien évidemment, tu me vois venir. Donc, il va y avoir un autre post pour que tu m'écrives ta question en commentaire, et je vais en retenir quelques-unes, parce que sinon, je pourrais être pendant 3 heures en direct avec toi. Hein? J'aimerais ça, le pire. Si moi, là, je ferais des lives comme ça toute la semaine. Bon. Ça, c'est une autre histoire. Donc, je retiens ce sondage-là. Bien évidemment, il va en avoir un autre sur mes réseaux sociaux. Mais si tu ne nous suis pas déjà, soit sur Facebook, via notre page, via notre groupe, eh bien, vas-y, n'attends plus, parce que tu vas recevoir une notification dès que je vais donner le résultat du sondage et que je vais offrir la possibilité. Si c'est la majorité qui retient la question-réponse, sinon c'est pas plus grave, ok? Sinon, je vais quand même retenir le sujet de mon autre live pour mon retour à l'automne. Normalement, c'est pas mal en même temps que l'école. Je recommence en même temps que l'école, moi, tu sais. Mais je travaille pareil durant l'été. J'ai des vacances durant l'été, bien entendu. On prend du temps pour se reposer et faire le plein. Mais bref, je vais quand même retenir l'autre sujet. C'est jusque-là, comme cadeau de fin... de fin d'été, elle vient de commencer. De fin de saison estivale de mes émissions. Je trouve ça important de te poser la question. Donc, c'est encore des questions. Je peux rester encore pour quelques minutes avec toi. Alors, vas-y. Je t'invite à m'écrire tes questions en commentaire. J'ai eu plein de likes qui sont rentrés. Cool. Fait que, si t'as des questions, vas-y. Je t'invite fortement à m'écrire. Dis-moi comment t'as trouvé le sujet d'aujourd'hui aussi. Tu peux me dire, est-ce que ça a été super constructif? T'as-tu appris des choses nouvelles? Écris-moi ça en commentaire. J'adore ça, te lire. Je vois les sous-titres en même temps dans ma vidéo, c'est vraiment génial. Je peux te lire, tu sais, en commentaire. Puis je vois comment je parle, si je parle bien. Bon! Oui, c'est intéressant. Merci, Catherine. Merci. Excellent. Alors, je te dis à dans 2 semaines. On se revoit le 6 juillet. Entre-temps, tu vas voir mes publications passer pour le résultat du sondage, le sondage supplémentaire et l'événement, hein, que tu vas pouvoir joindre en même temps. Donc, je te remercie encore d'avoir été présente. Si tu as besoin de mon aide pour t'aider à gérer des comportements de ton chien, tu m'écris en privé. Ça va me faire plaisir de pouvoir te dire comment faire pour me rejoindre. Mais sinon, sur mon site internet,
tu peux aller directement dans le service Découvre tes besoins pour réserver un appel avec moi. On va te mettre le lien aussi en commentaire, mais si tu as besoin de mon aide en privé, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Alors, on se dit à dans 2 semaines et tu peux encore voter si tu le souhaites. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps? Alors, toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca / découverte, pas d'accent.